j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un petit vlog, j'avais envie de vlogger aujourd'hui. J'ouvre les rideaux. Nous sommes quand déjà? On est le dimanche 15 janvier 2023, bien évidemment. Et il est très tôt, enfin tôt, pour un dimanche. Il est 9h-20. Je suis déjà prête. Prête à quoi? Je ne sais pas, mais je suis prête. En ce moment, je me réveille super tôt, je me couche tôt, je me lève tôt, mais mon sommeil, c'est un sommeil de qualité, donc c'est pas mal. C'est quelque chose que... En fait, j'ai l'impression que tout a changé dans mon sommeil, c'est marrant. Bref. Je me fais couler un café. Oui, j'ai l'impression que mon sommeil a complètement changé ces derniers temps. C'est un truc de fou. Mais tant que je suis pas trop fatiguée et que je dors bien, je me dis que c'est... En fait, je dors moins, mais... C'est du bon sommeil, donc c'est réparateur, donc ça fait du bien. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir. Mes chaises, elles sont par terre. Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Là aussi. Bref. Ça fait quelques jours qu'on a énormément de vent, mais vraiment beaucoup, beaucoup. C'est des tempêtes en fait. Tous les jours. C'est un vent froid en plus. Donc voilà, donc on ramasse les chaises régulièrement, puis elles tombent tout le temps, donc on les laisse par terre. Elles iront pas plus bas. Pour l'instant, David, l'année dernière, je crois, il avait attaché autour de la table les chaises avec une corde ou un fil à linge, je sais plus. Et un café, bref. Et c'était bien, puis là, on l'a pas fait, et puis. Bref. Donc voilà, donc le temps, moi, ouais, c'est... Il va commencer à faire froid, on a eu du beau... Enfin, du temps, des températures genre 15 degrés, 12 degrés et tout, mais là, ça commence à rebaisser. On va atteindre les températures normales. J'ai déjà une lessive qui est en cours. Hop, genre, si je peux vous poser, là. Tranquille. Emile. Hop. Ah, j'aurais des trucs à vous montrer tout à l'heure. Ce magasin là. Je viens de finir ma douche, j'ai chaud en fait. J'ai chaud, j'ai pris de l'eau trop chaude, je pense. Mais ça va pas durer la chaleur. Donc j'espère que vous allez bien. Oui, je vais faire un petit vlog et puis voilà, ça va pas être non plus the vlog du siècle, mais bon, comme ça fait un petit moment que je vais filmer. Enfin, un petit moment. Comme j'ai filmé pas mal de box et tout ça, ces derniers temps, je me suis dit que ça allait changer un peu. Ok, voilà, bon, je bois mon café, je reprends plus tard. Voilà, je vous reprends, j'ai bu mon petit café tranquillement. Hier, on est allé donc... enfin, donc, vous savez peut-être pas, sauf ceux qui me suivent sur Instagram. On est allé voir Peggy et Seb. On voit plusieurs fois par an. Et l'hiver, on se retrouve généralement à... En fait, ils habitent dans l'Oise, et moi dans les Yvelines. Donc, on est quand même loin. Et on essaie de se retrouver toujours à mi-chemin. Alors, souvent, on se retrouve... L'été, on se retrouve à Paris. On se promène dans Paris. L'année dernière, on avait été à Enghien-les-Bains, dans le 95. Ouais. Et là, et souvent l'hiver, comme bon bah il fait froid, il pleut, là, 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 on va pas se balader à l'extérieur, on se retrouve au centre commercial Aéroville. Donc ça a un grand centre commercial qui se trouve à côté de Roissy, enfin qui est à Roissy en France, qui est à côté de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Et on s'est retrouvé là, on était au resto, on a beaucoup papoté, on a fait des boutiques et tout. Et je vais vous montrer, c'est la première fois, alors c'est un magasin que j'ai découvert il y a 2 semaines, je suis passé devant par hasard en fait. C'est un magasin qui s'appelle Normal. Voilà, comme ça. Donc, comme on n'avait plus assez de sacs, on a plus le sac, on a acheté le sac de tote bag, quoi. Donc, c'est un magasin où ils vendent bah, du liquide vaisselle, des cosmétiques, du gel douche, des produits d'hygiène, des produits pour la maison. Enfin, un peu tout. C'est un peu du action, on va dire, mais un peu différent quand même. Enfin, bon, des trucs à prix apparemment moins cher après. J'ai pas comparé avec ce qu'on prend à Carrefour Market ou à Carrefour ou quoi que ce soit. Mais on a acheté quelques petits trucs, alors vous allez voir, il n'y a rien de transcendant, je vais vous montrer quand même. J'ai le ticket de caisse. Donc le petit tote bag, il m'a quand même coûté 55 centimes. Mais il est mignon, il est en tissu et tout. Je vais le mettre dans ma voiture une fois que j'aurai vidé tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? On a pris du pastilles Live Vessel Finish. Avec la Powerball All in One, donc il y a 51 pastilles
Et ça nous a coûté la modique somme de... €5,90. Et je crois qu'on a regardé, ça revient à 12 centimes la tablette. J'ai pris, alors David a pris, ça c'est pour son boulot, des capsules Nespresso de l'or. Donc ils ont une machine là-bas, donc ils en emmènent à tour de rôle. Donc là il y a 20 capsules, intensité 8. Et ça coûtait 4,20€. Voilà. Ensuite j'ai pris un gros gel lavant pour les mains de 500 ml. C'est que j'adore ces bouteilles là. Donc là c'est Paris. Il y avait tout, il y avait Oslo, Tokyo, je sais plus quoi, enfin bref, il y en avait plein, donc je les ai tous plus ou moins sentis. Avec Peggy, on en a senti. Et moi j'ai pris celui-là, Cherry Blossom. Et donc il y a 500 ml et ça coûtait 2,60€. Voilà. Ensuite, David s'est pris des dentifrices. Donc il y a 3 Colgate pour 4€. Moi, je me suis repris des Kleenex. Donc il y a 8 paquets comme ça. Balsam. Balm Care, avec de l'aloe vera, là, vous savez. Voilà, donc des Kleenex, 1,30€. Je me suis pris un shampoing sec Baptiste. Faudrait vraiment que je compare avec les prix de... Parce que j'en prends celui-là aussi. Enfin, je prends des trucs, enfin... Bref, shampoing sec, 3,20€. Je crois que c'est le prix... je sais pas, faudrait que je regarde. Je me suis pris un déodorant que je ne connaissais pas. C'est un Garnier minéral hyaluronique, 72 heures. Mais je me lave entre temps. Antiperspirant, zéro alcool. Comme ça. Et ça, je l'ai payé 2,70€. Il y a 150 ml. Je suis comme ça, on dirait que je suis blasée en fait. J'ai pris deux autres trucs. J'ai pris un gel douche, le petit Marseillais, au lait, comme ça. Alexis l'aime bien. Celui-ci, c'est celui qu'il préfère. 1,80€. Ouais, c'est celui-là. 1,80€, 400 ml. En supermarché, c'est des plus grands, des 500 ml. Il me semble, parce que j'en achète souvent. Et j'ai pris un deuxième petit Marseillais, comme ça, là. Hop. Un douche crème de soin hydratation intense, beurre de karité et amande douce. Et ça, c'était 1,20€. Donc voilà, c'était mes petits achats anormal. Donc voilà, enfin, anormal, au magasin normal. Je crois que c'est nouveau ces magasins, en tout cas, je sais pas longtemps que je les connais. Je vais ranger ce qui va là-haut. Tac. Donc voilà, je suis bien contente. Peggy aussi, c'est que des petits trucs. Hop. Et je vais vous montrer, alors pour celles qui ont vu mes vidéos cadeaux de Noël, Peggy m'avait offert des cadeaux qu'elle m'avait envoyés. En fait, on devait se voir à la base le 10 décembre, donc avant Noël, et on est tombés malades tous. Enfin, ce qui m'est tombé, c'est qu'on est tous tombés malades le même jour, hein, donc enfin à la même période, donc du coup on a annulé et on avait reporté au 14 janvier. Donc à hier. Et donc j'avais déjà eu des cadeaux que je vous ai montré dans la précédente vidéo, enfin une des précédentes vidéos. Et là elle m'a encore acheté, enfin elle m'a encore offert des cadeaux, donc je suis venue les mains dans les poches. Je lui avais quand même fait envoyer des cadeaux avant, pour Noël. Non mais je précise que j'ai pas l'air indigne. Donc petite pochette, comme j'adore ces pochettes là. Et dedans il y avait. Il y avait encore une petite pochette, j'adore cette petite pochette, et marquée bichette d'amour. Et j'adore la couleur. Avec un petit pompon et tout. J'adore. J'adore cette petite pochette. Ça va être dans mon sac, ça avec l'autre. J'ai toujours de quoi mettre dans mes pochettes, vous inquiétez pas. J'ai eu encore, enfin je dis encore parce que, un parfum Adopt. Donc c'est vanille bourbon.
J'adore le packaging, je trouve trop belles les bouteilles. J'ai eu un truc que je ne connaissais pas, donc c'était dans la pochette. Mais... Alors, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Ce n'est pas une montre. Donc c'est un bracelet double rang comme ça. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc là, il y a un petit médaillon. Bon, voilà. Qui s'ouvre. Et dans ce médaillon, on met ça. Alors, ce ne sont pas des bonbons. Ce sont des petites mousses de couleurs différentes. Donc, ils doivent ressortir parce que là, il y a des petits trous dans le truc. Donc, on peut sortir. C'est, par exemple, aujourd'hui, je suis en rose. Donc, j'aurais pu mettre le rose, par exemple. Et c'est des trucs en mousse et on met du parfum dessus. Voilà. C'est hyper original. Il faudra que j'essaye. J'adore. Voilà. Et j'ai mis un autre truc que j'adore visuellement, déjà. C'est un diffuseur de parfum pour la voiture. Voilà. Je vais peut-être l'ouvrir, c'est mieux. Donc la marque, c'est Bass and Candies. Donc là, c'est à l'aloe vera. Et... Donc c'est une petite bouteille comme ça, avec une petite cordelette. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, faut que je mette ça dans ma voiture. Vous êtes bien gâtés encore. C'est bien quand Noël se prolonge jusqu'au mois de janvier. Donc voilà, je vais aller ranger tout ça. Quand on fait des présentations comme ça, après, il y en a partout. J'ai un petit coup de barre. Bon, il est tout long, mon téléphone. Quelle heure est-il ? 9h. Je crois que ma lessive, elle est finie en plus. Donc voilà, je vous ai montré mes petits achats. Je suis dans ma voiture parce que je range 2-3 trucs. Pourquoi ça prend pas ça ? On a acheté ça aussi hier, un truc pour le cou, vous savez. Enfin, c'est dans l'autre sens, mais... voilà. Pour quand on dort dans la voiture. Enfin, moi, je conduis souvent. Et c'est pour David. Et moi, si c'est lui qui conduit, mais voilà. Et ça, 2 euros. On a acheté ça chez je sais plus quoi, là. Une boutique exprès à 2 euros. Hop, voilà. Pas chaud, il y a du soleil par contre, vous avez vu le ciel bleu quoi. C'est magnifique. Voilà, plein de trucs ce matin. C'est cool, je suis bien contente. J'aime bien les samedis, les dimanches comme ça. Je sais pas quelle heure est-il. Il ne faut pas être très tard du coup. Il est 10h15. Oh, c'est cool, je suis bien contente. Après, je vais me poser, je vais faire 3-4 trucs. Je me tâte à me reprendre un café, mais bon. Quoi que si un petit, allez, hop. C'est parti. Et puis voilà, je vais vous laisser. Je vais voir si je vous reprends l'après-midi. Bon, on va rien faire aujourd'hui. Hein. Ou alors je continue demain, sur plusieurs jours. Enfin, je vais déjà faire voir les rushs, là, combien de temps il y a. Voilà, à plus. À plus.
On est dimanche, mais comme c'est le premier jour des soldes, c'est ouvert. C'était rapide, c'était cool, on a trouvé des trucs. Enfin, Alexis surtout. J'essaie de vous montrer. Poser. C'est pas terrible. Je peux rentrer pied. Alors, attendez. Donc oui, c'est un sport de mule qui est pas très loin de chez moi. Donc c'est cool, il y avait personne en plus. D'habitude, c'est pas ouvert le dimanche. Mais là, c'est ouvert pour les soldes. Donc c'est cool. Alors depuis Alexis achète beaucoup de noir, du bleu marine, ou non, du noir, du bleu, du gris, on va dire. Ou parfois du kaki, mais plus rarement. Et là, il a trouvé des trucs beige. On va voir combien de temps ça dure, son tâche. Donc là, il s'est pris un t-shirt, donc il y avait combien? 40%. Un t-shirt Adidas, tout simple. Voilà, ça. Hyper ample, donc, c'est taille XL. Donc c'était à la base à 33€ et là on l'a payé 19,80€, ce qui est tout à fait honnête pour un t-shirt Adidas. Et il a pris un survêt Nike, donc là il y avait 50%, il a le même en noir presque, donc il est voilà, cette couleur là aussi, une poche là. Une poche là en plus des poches sur le côté. Tac, poche sur le côté, une poche là. Et le petit détail du. Voilà. Et ça, donc c'était à 50%, là-bas ça vaut 70€. Et là on l'a payé 35. Voilà. Et il s'est pris des claquettes, ça c'était pas soldé par contre. Bon, je les ai prises quand même. Il n'y a plus le. J'ai plus l'étiquette. J'ai pas la. Ça, c'est pas le bon ticket de caisse. Bref. On a des claquettes Nike. Alors, ça, les claquettes, lui, ils n'utilisent pas que l'été. Hein. Ça lui sert de chaussons ici. On les met tout le temps, enfin, toute la journée. Bref. Et puis l'été. Donc, ça, je crois que c'est. 28€, je crois, il me semble. Ça, c'est pas donné et c'était pas soldé. Donc, voilà. Donc, j'ai enlevé les petites étiquettes. Et puis voilà, c'était bien sympa, il était bien content, ça ne nous a pas pris de temps, il n'y avait personne, j'avais appréhendé un peu, je me suis dit, ça se trouve, il y aura du monde, mais comme c'est un petit centre, et je pense que peut-être que les gens ne savent pas que c'est ouvert, moi j'ai vérifié sur internet et j'ai téléphoné, donc c'est cool. Hop, ça c'est la partie que je déteste, on a les étiquettes, et en plus, ah oui, en plus, comme c'est chez Sport 2000, j'ai une carte de fidélité et j'avais 10€ sur ma carte. Donc franchement, 10€, ça... Il y a des étiquettes de partout. 10€, c'est énorme de réduction. Donc le tout, les trois articles, ça m'a coûté 77€. Enfin, pour du Nike et du Adidas, je trouve ça correct. Pour trois articles, ça fait 25€ en gros, par article. 3 fois 25. Bon, bref. En gros, quoi. Voilà, après, je vais aller faire ma tanière de linge. Hop. Et après, je vais me poser. Tac. Et c'est marrant parce que les tailles des vêtements, c'est vraiment pas les mêmes. Tu vois, il est immense. Selon les marques. Parce que le XL de chez Nike, en t-shirt, c'est trop. Il est un peu étriqué et le XL de chez Adidas, c'est très grand. Non. Hop, allez. Je vais m'occuper de tout ça.
pouvoir me poser un peu. Hop. Ah, c'est cool. Il y a un peu de soleil dehors. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Oh, je fais mon petit linge, je vais aller me poser, je vais aller faire le montage. Et là, ça va me prendre un petit peu de temps. Et puis après, je vais me poser, faire une petite série et tout ça. Je vais préparer mes affaires pour demain. Tout est prêt. Voilà, je sais pas quelle heure il est. Il est pas tard, il est 15h30, donc c'est bien cool, j'ai encore du temps devant moi. Donc, trop dans le trou de lumière chelou là. Vivement qu'on retrouve, on retombe sur des. Un coup c'est serré, un coup ça n'allait pas. J'arrive pas à comprendre. Bref. Vivement qu'on retombe sur des luminosités agréables. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.